Gloire à Dieu, merci Seigneur, Alléluia. Loué soit l'Éternel. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, dépendamment qui côté ou à écouter l'édition Hébreux 13:8 TV. Eh bien, son plaisir pour nous brancher à soya, pour nous capables de continuer l'enseignement de la parole de Dieu. Comme vous connaissez déjà, mon nom est David Sirail, un pasteur, un serviteur de Dieu, qui a publié le nom, le plus grand nom de la terre, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Un nom qui est aussi grand dans les cieux, un nom qui est aussi grand sur la terre, un nom qui est aussi grand sous la terre. Tout super branché, nous saluons dans le grand nom ça. Nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la refuge nous, c'est la forteresse nous, c'est la cachée. Eh bien, c'est là nous cacher et c'est lui-même qui protectionne. Nous saluer quatre coins de la terre, amis qui écoutent nous à travers le monde entier, quel que soit côté où il est, depuis qu'il y a possibilité à Internet et ou capable de joindre nous pour capable suivre enseignement ça. Nous saluons tous les amis qui habitués branchés dans l'émission Hébreux 13:8. Eh bien, nous avons invité les amis, invité les frères, les proches, pour nous capables de nourrir et à travers de la parole de Dieu. Comme vous le savez déjà que la Bible, c'est un grand livre, le plus grand livre de tous les livres à travers le monde. Et pas une personne monde qui est capable de contredire ça. La Bible, c'est le plus grand livre. Il y a un livre qui est inspiré. Et c'est pas n'importe quelle inspiration, l'inspiration divine. Il parlait de l'histoire de la terre, l'histoire des cieux. Donc, c'est une science qui est plus belle. Et une science que le monde entier est doué apprendre, approcher le délit. C'est la Bible, la plus grande science du monde. Une science est capable et conduit à la vie éternelle. Nous saluer tout auditeur qui a écouté nous sous Radio Foi Apostolique. Radio Paola. Donc, ou capable de continuer à écouter, ou même qui sur Internet, ou bien qui t'a même écouté. Ou bien, ou à taper www.zenofmfoiapostolique.com et ou capable de joindre l'émission Hébreux 13:8. Et encore une fois, ou capable de taper David Sirail sur YouTube. Donc, ou capable d'aller sur page là pour capable de suivre l'émission Hébreux 13:8. Li réellement important pour suivre nous. Et de temps en temps, de temps à autre, pour capable suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Pas oublier que l'édition Hébreux 13:8 TV, pas yon édition qui enseignait la religion. Des bagages ou pas jamais entendu. Au contraire, nous condamner yo parce que yo rend moun plus aveugle. Il rentre dans l'aveuglement. Donc, nous allons au-delà de ça et nous mettons à la lumière de la Bible. Nous mettons à la lumière de la Bible pour capable comprendre la réalité vraiment qui ça la parole de Dieu dit concernant telle ou telle chose. Eh bien, son plaisir pour nous ensemble, n'a pas demandé ou capable rester branché. Pendant la pause, n'a laissé suivre vidéo et ça qu'on pral
suivre là pendant une minute, mais au prime abord, n'a dit que sujet que nous va traiter pour vous, c'est comment la polygamie rentre-t-elle dans notre société. En gros, comment et activité plusieurs femmes, plusieurs nègres, comment le faire rentrer? Parce que, gon côté le sorti, ou pas qu'à choisir, ou nous constater pour n'a, et censurer moun, qui gagne plusieurs femmes, qui gagne plusieurs nègres, et puis, pour ne pas dire exactement côté le sorti, il sorti exactement dans la Bible, et nous pas demander où comment ça t'est. Nous pas l'aider où comprendre comment ça t'est. Restez branché, et n'a vini tout de suite pour l'enseignement de la parole de Dieu. Yes, eh bien, son plaisir pour moi présenter l'histoire entre moi-même et madame. Nous connaissons déjà, moi c'est David Sirai, le mari de sœur Roselyne Sirai âgée. Je vous dis à son moment opportun pour nous parler un peu de nous. Peut-être en pile monde à travers le monde, pas connaît qui est exactement qui prédicateur David Sirai et sa femme. Et il y a plusieurs côtés qui ont témoin, nous devenus un modèle à travers le monde et nous prêchions l'évangile selon Jean-Christ qui était là. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, pour yon moun évangélisé ou bien responsable, yon assemblé n'est tout que si la yon qui dans le corps de Christ, avant Jésus-Christ vienne prendre nous pour l'éternité, donc faut le diriger propre famille, propre foyer. Eh bien, nous chita là devant le monde pour nous dire le monde, mais qui m'ont noué. Nous, avant de rentrer dans le lien du mariage, nous passons 7 ans et fiançailles. C'était réellement avec un pile calamité pour nous te réussir et fiançailles. Donc, comme c'est Dieu, Dieu, il est maître de toutes choses, il prédestine toute bagaille, et tout ça doit être fait pour quel que soit mon cap coûte étendé, il était déjà dans le plan de Dieu. Eh bien, avec un pile patience que Dieu te bat nous, nous te rencontrer et nous fiancer pour 7 ans. Eh bien, par contre, l'heure décisive là après l'arrivée pour nous marier, eh bien, nous t'avons averti toute famille et toute assemblée qui était là-dedans, nous t'avons fait partie d'une assemblée qui est l'église de Dieu rachetée de l'Éternel, dirigée par le frère de ma femme, Roselyne Sirai. C'est un bas ministère ça. Moi, je prends naissance spirituellement, grandis spirituellement. Eh bien, redirigeons-le, nous choisis la sœur de ce pasteur-là, pasteur Éric Agé, qui n'est pas capable, non, mais non, ni cité, non. C'est un homme de Dieu, un héros de la foi, qui nous fait plus le crédit et qui grandit aujourd'hui. Soit coûté, tu es un héros, qui t'est encouragé nous spirituellement. Ben voilà, nous devons choisir que pour nous marier. Mais ça était toujours dans le plan de Dieu. Le 28 août 1998, nous devons rentrer dans le lieu du mariage. Mais chers téléspectateurs, amis auditeurs, cap coûté peut-être non. Média yo,
Nous voulons dire clairement que ça pas aussi facile, nous pas trouver en haut, en bas. La vie a pas tracé devant Dieu nous physiquement. Et pourtant, spirituellement, c'était déjà tracé. Nous pas connaît nous-mêmes. Et puisque Dieu, dans son amour infini, il trace ses plans, il fait route. Mais voilà, c'est ma femme. Et pour tout le monde qui a écouté l'évangile, frère David, lit aussi sérieux que possible pour nous dire que tout prédicateur qui a prêché l'évangile, un, au besoin font un choix. Il y a un choix qui est réellement décisif. Et dans le mariage, nous connaissons, il y a un ennemi prédicateur, c'est la chair. La chair salvaire, il faut vagabonder à travers les rues, le monde. Donc, la chair vient primer sur l'esprit des dictateurs et guidéo. Donc, on vient aveugle spirituellement. Donc, on fait toute autre chose. Et nous connaissons la seule chose, c'est l'esprit de Dieu par guidéo. Donc, il y a des bagages au pralin fait. Monde l'a condamné ou l'État a condamné ou tout le monde aux alentours a condamné ou parce que y a aucune réalité. Mais par contre, nous voulons dire ou même qu'à coûter et vous très juste à travers le monde. Donc, nous gagnons foyer, nous gagnons famille qui disponible et disposée pour nous capables de véhiculer l'évangile. Ça. Tout frère avec ce mio, l'évangile qu'on a prêché, elle n'est pas campée sur la chair, le sang, elle est campée sur l'esprit de Dieu. Donc, c'est ça, la lutte pour nous encourager, frère, nous, à travers le monde, c'est très important pour nous faire vrai l'évangile. Le vrai l'évangile, là, c'est adorer Dieu en esprit, en vérité, il faut esprit, ça, vrai. Bon, bon, quittez mais nous, je parle parce que c'est réellement intéressant, l'aide d'ap marié. L'entrée mègue en pile tilette, nous te qu'on a écrit une lettre. Donc, cette lettre, ça peut servir nous de la foi pour te qu'aimer nous. C'est Minouche, comment est-ce? Pour tout le monde qui parle de Minouche, mais nous ne connaissons pas, nous allons l'expliquer très bientôt. Comment est-ce, Minouche? Merci, pasteur, mon premier. Oh, moi, je suis content, après midi, hein? Pour moi, avec Marie, bon côté moi. So, là, nous. Si je fais rencontrer, nous rencontrer l'église, then, nous devons les amis après, nous devons remettre. Et dans remet, nous avons passé en pile, l'homme a été présenté et fait devant un frère qui était responsable. So, il n'a pas accepté remettre. Et ça a été fait mal en pile. Et malgré tout, je suis resté là, attaché avec le frère David. Donner un bon support pour moi. Et remet, on a continué, continué, continué. Nous connaissons, dans l'époque, là, nous remet, et l'époque de l'école, ça a été dur en pile. Surtout, c'était Haïti. Surtout, c'est Haïti, nous étions. Bah, il n'y a pas de bon du tout. Il n'y a pas de bon. Donc, nous avons supporté, et bon Dieu, c'était qu'un remet. Hein. Pasteur était fini l'école, le nous remet, nous avons fait retour ensemble, il finit l'école. Oui, nous retournons, mes chers amis, chers téléspectateurs, nous pas quitter au fin suivre toute vidéo parce que c'est une vidéo habituée avec lui, surtout avec l'enseignement et que nous gagnons sur le mariage. Donc, par contre, nous avons besoin de temps pour nous capables, non seulement, et bah, une heure de temps pour capables suivre enseignement à soir. Donc, sujet, c'est comment la polygamie rentre-t-elle dans notre société? Pas oublier que la Bible, c'est source d'inspiration, nous. Donc, nous avons l'autre moyen pour nous capables prouver. Et sujet yo, c'est à travers la Bible. Par contre, nous toujours lit quelques passages dans la Bible, n'a pas de poursuivre parce que la Bible
C'est un moyen qui est capable d'éclairer ou pour montrer ou la vérité. Et bien, par contre, avant même de nous rentrer dans l'autre sujet, l'autre débat, pour nous capables de montrer la réalité, ça, comment, et histoire plusieurs femmes dans vini, comment histoire plusieurs nègres vini. Donc, à soi, on a parlé bon créole là pour capable comprendre. Parce que c'est pas une émission pour pas comprendre, nous voulons comprendre, mais pour gagner connaissance de la parole de Dieu. Donc, plusieurs nègres et plusieurs femmes viennent de la Bible. Donc, en pile bagaille, nous pourrons dire, les nous de la Bible, peut-être pour guetter en pensant pile. Eh bien, nous pourrons besoin pour chita, pour jouer une explication et pour capable réaliser exactement dans quelles conditions plusieurs nègres, plusieurs femmes t'ont existé selon la Bible. Lisons avec nous dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Genèse, chapitre 4. À partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Lisons ensemble. Caïn connut sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. À Enoch naquit Irad. Irad engendra Meyuyael. Meyuyael engendra Metushael. Et Metushael engendra Lémec. Je m'excuse. Verset 19. Lémec prit deux femmes, appelées l'une Ada et la seconde Sia. Ada accoucha de Yabal. C'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Le nom de son frère était Yubal. C'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Sia, de son côté, accoucha de Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sia, écoutez ma voix. Femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé cette fois. Et les mecs 77 fois. Le verset 25 et 26 pour terminer. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu
m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. À Seth aussi, il naquit un fils qui appela le nom de Noch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. On a adressé l'Éternel, le même Dieu d'hier, lui qui est le même aujourd'hui, sans ombre de variation, il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. En nous adressant. Igor, j'ai oublié que la prière, c'est le discernement de la parole de Dieu. Vous êtes capable de remarquer l'édition de résultat même dans la prière. Lis pas la prière comme les autres. Non, pas la prière comme la religion. La prière, c'est simplement le discernement de plus grand être de l'humanité, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, oubliez que notre Dieu que nous sommes en train de servir, il n'est pas moun. Pas j'ai oublié ça. C'est un esprit. Immédiatement, vous pouvez passer quelques secondes avec le Seigneur. Vous pouvez besoin d'abord, qui que vous soyez à travers le monde, en esprit aussi. C'est esprit communiqué à esprit. C'est la formule de la Bible, de la parole de Dieu. Car il est dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Et en vérité. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire. Ma vie t'appartient. Père éternel, notre Dieu. L'immortel invisible. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'esprit des esprits. Nous rentrer dans le royaume, nous rentrer en dans majesté où, pour nous adorer où, et pour nous glorifier. Nous serons certains, Seigneur, ça n'a pas qu'à faire dans la chair et le sang, mais en esprit. C'est raison ça, Seigneur, n'a déclaré à travers que nous ou mériter pour nous continuer bonne gloire pour soyer.
soye ya, ou se omniscient. Ou kon tout bagay. Pas grand yé qui passe à l'improviste. Pas grand hasard. Dans sa wap fait, dans sa wap dit, dans action à entreprendre à travers le monde. Tout a été planifié dès avant la fondation du monde. N'adorez vous soyez là parce que omniprésent. Omniprésence ou suffit pour moun kap koute ki malade. Et présence ou suffit pour guérir yo. Soit à l'hôpital, soit côté ou yé en avion, à travers quatre coins de la terre. Oui, Seigneur, omniprésent, nous adorons omniprésence. Merci. Omniprésence ou suffit, ô Dieu, pour qu'embé nous en vie, non seulement sur la terre, mais pour toute l'éternité. On mérite pour nous bonne gloire, on mérite adoration et louange. Ou mérite pour nous adorer au bousson, yéa, parce que ou omnipotent, l'omnipotent sou, c'est puissant sou, c'est gloire, c'est majesté ou, alléluia. N'adorer les. Tout genou fléchit devant l'omnipotent sou. Merci Seigneur. Merci pour chaque bien-aimé qui a écouté à travers le monde entier. Quel que soit côté émission, ça allait avec vous. Et de vous va reconnaître comme le vrai Dieu. Et vous même seul, dans tout que vous. Aidez-nous à continuer à adorer et louer vous. Pour tout reste vie nous qui n'a passé sur la terre. C'est cri que nous assoyons. C'est détermination nous assoyons. Après, on finit par nous, connaissant de ta parole, nous venons rendre compte, Seigneur, nous pas qu'à écarter. Parlez à nous, parlez avec peuple. Seigneur, un enseignement, il y a quelque chose qui est capable de dire. Peut-être qu'il paraît un peu funny, et pourtant on va parler à quelqu'un, on va parler avec plusieurs d'entre eux. Ou sans pareil, ou incomparable, David adoré ou. Et n'a pas adoré pendant tout reste vie nous. Tout autant nous encore existons sous la terre. Et n'a continué à adorer dans l'éternité. Nous adressons requête ça à Soya. Dans le nom de ton fils Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. D'arrêt, mais saluer quelques amis fidèles à l'émission Sahara. Juste avant même nous rentrer dans le sujet, on nous salue une quinzaine de personnes avant. On nous salue le frère Franck Ilse, Estil de Chili,
yon zanmi à nous. Que le Seigneur capable accompagner mon ami frère. Et nous au courant de détresse yo, de épreuve yo, pas oublier que épreuve yo pas pour malheur nous, mais c'est pour bonheur nous. Car notre frère Paul a déclaré à l'église de Rome, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous saluons mon frère, à toute famille. Restez ferme. Kamela. La sœur Marie-Jeanne et la sœur et le frère Joseph Gérard. Saluez-vous. Dans le nom de Jésus-Christ, le grand nom de la terre. Nous saluons notre bien-aimé Jacob Virgile, pasteur. Que le Seigneur accompagne vous. Et merci parce qu'on fait l'honneur pour écouter l'émission et vous être réjouitif. Nous saluons notre bien-aimé, notre frère en Christ, coordonnateur émission Hébreux 13 TV, le frère Saint-Just, Patrice, saluez-vous. Nous saluons notre petite fille, nous, Zami, nous, et la sœur Betty Destinée, que le Seigneur accompagne vous. Et qu'elle continue à faire grâce à toute famille. Nous saluer notre bien-aimé pasteur, c'est bien qu'à juste et Saint-Domingue. Que le Seigneur accompagne mon frère. Saluer peuple là pour nous dans Saint-Domingue. Nap salué notre bien-aimé Jean-Alain. Jean-Alain, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nap salué notre bien-aimé frère Chacha Jean-Rudvelt. C'est collègue nous. Et compagnons académiques, nous saluons que le Seigneur accompagne vous. Nous saluons le frère Erol de Graff, que le Seigneur accompagne vous. Nous comptons parce qu'on branche. Nous saluons le frère Clifford Charles. Il y a un petit garçon spirituel, nous, que le Seigneur accompagne vous et embrasse vous. Et grandir dans le ministère. Nous saluons le frère Prince Rémi, que le Seigneur accompagne. Accompagne famille, que la colonne de feu qui a conduit Israël, conduit famille. Nous saluons la sœur Chedli. Que le Seigneur accompagne vous et permette vous capable ou éclair à travers mystère de la parole de Dieu. Nous saluons encore les amis en pile, mais quand même n'a pas un petit temps. N'avez salué notre bien-aimé frère, c'est tout Manassé. Le Seigneur accompagne vous.
et présence li capable pas jamais abandonner. N'a salué le frère Saint-Il Jean-Bernard, ça c'est Saint-Domingue. Mais qu'on nom et n'a dit frère pasteur c'est bien salué. Kembe frère Saint-Il Jean-Bernard très fort pour nous comme amis nous. Nous a salué notre bien-aimé et Schneider Baptiste. Le Seigneur t'accompagne, béni. Gloire à Dieu, nous saluons Yonan, bien-aimé nous, ancien, dans l'assemblée l'église là, c'est notre bien-aimé Rodrigue Jérôme. Saluons mon ami, Nkembela. Et Dieu aussi grand pour l'ouvrir les yeux, peuple, Reading. Kembe la balague, il pas aussi facile pour Moïse de permettre Israël ou éclair. Pas facile, mais de même tout Kembe la, jusqu'à ce que Reading ou éclair totalement. Chaque bien-aimé qui est dans la zone du Baoul, mettons la donne comme ambassadeur pour capable éclairer les autres. N'a pas salué le frère Félix. Ainsi de suite, et n'a pas mis fin parce que nous étant salué une quinzaine de personnes. N'a pas salué le frère Mei Bethel. Ou bien yon assemblée. Cap suivre nous, ou bien yon radio. Les seigneurs accompagnés nous. N'a pas salué dernière personne, non, il reste yo, dans l'autre émission. La sœur Bernadette Mathurin de Boston. Yon animatrice émission Hébreu 13 TV. Chaque mercredi et jeudi. Et nous saluons toutes les amies que nous connaissons qui fait partie émission ça. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous continuons la prière pour vous. Et pas oublier que l'aime dit la prière, moi-même, pas dans la prière, dans le jeûne, prier pour moi, dans le jeûne, dans le rêve de nuit, nous comme ça. Si remèyon l'autre, c'est ça que prière pour moi-même. Remèyon l'autre, c'est ça que vrai prière. Si nous prier pour vous, ça veut dire m'a manifester l'amour agapé pour me remèyon et pour nous faire route là. Pour yon kembe men l'autre, c'est ça qui priait pas. Moi, va bien prier moi dans jeûne, vers de nuit, dans croisade, va bien ça. Pas bien prier ça. Comprenez? Pas besoin ça. Donc, nous mettons kembe ça pour la religion. On nous rentre exactement dans le message là. Nous rentre dans le message là. Dans l'étude là. Comment la polygamie rentre-t-elle dans notre société? Dans beau créole là. Comment histoire ça coûte-t-elle commencer? Pour yon nèg choisi prend plusieurs femmes. Avait dit il y a dit moun sa nek sa yo le polygame yon femme choisi pour prendre plusieurs nèg côté le sorti et même après répondre à l'état de la Bible mais c'est la Bible qui n'a même pas oublié son prédicateur mien et bien il sorti exactement dans la Bible. Plusieurs femmes. Ça sorti dans la Bible. Yon femme plusieurs nègres. Ça sorti dans la Bible. C'est pas au hasard.
l'en gade noue l'humanité a fait quelque bagay, yo ka mal fel, yo gen mal, mauvaise incompréhension de telle ou telle chose, mais elle sortit dans la Bible. Ça veut dire l'important pour gagner un prédicateur engagé pour le capable d'enseigner. Moi toujours dit que lire la Bible c'est yon, mais la compréhension spirituelle de la Bible sont l'autre dimension. Ça veut dire besoin un prédicateur engagé. Je dis, comme nous constatons, tout le monde voulait sortir comme un prédicateur. Mais ce n'est pas forcément vrai. Ou capable n'importe quoi. Ou capable n'importe bagaille à travers le monde là. Mais quand il s'agit de la Bible, faut prendre un petit temps pour qu'on l'autre bien-aimé qui expérimenté, qu'un bébé ou pour aider à comprendre qui don gagne pour faire quoi que ce soit. Faut attendre un bien-aimé. Donc, pas oublier que nous avons déjà traité plusieurs sujets sur le mariage, n'est-ce pas? Si m'a rappelé où que nous traité qu'est-ce que le mariage? Nous bail définition de mariage. Suivi de yo, tande yo. Jeune prédicateur, moi connais actuellement bien plusieurs jeunes prédicateurs qui suivent enseignement Hébreux 13:8 TV à travers monde là. En pile texte message, en pile appréciation et en pile désappréciation tout. Même en pile, il y a plus que monde, plus monde qui d'accord avec Hébreux 13:8 TV que monde qui contre. Bye bon Dieu gloire pour ça. Toute gloire pour le Seigneur. Non seulement nous traiter qu'est-ce que le mariage, nous traiter pour que le mariage soit honoré de tous égards, à tous égards. Les sous plateau, les sous télé Facebook, les sous YouTube, les sous réseaux sociaux et plusieurs stations de radio à passer messages, ça fait un plaisir. Et que le Seigneur est capable de continuer bénir. Non seulement nous traiter que le mariage soit honoré à tous égards, mais nous traiter tout. Le mariage est un accès à la vie éternelle. Nous rappelons sujet ça. Il y a plusieurs, dans deux jours, il y a 2000 views, 2000 mounes qui suivent, qui gardent, ou bien quelconque. Ça fait un plaisir. Le mariage est un accès à la vie éternelle. Sujet ça, yo. C'est sujet pour poser question. Nous traiter l'expérience dans le mariage. Et jeudi dernier, nous t'as parlé de l'expérience dans le mariage.
si n'a pas un petit briefing parce que nous avons un problème technique. Nous avons presque terminé, mais cependant, nous n'avons pas dit au revoir. Ça qui arrivait. Problème technique, il a toujours existé. Nous rappelons que dans l'expérience, dans le mariage, nous dit que surtout dans le sujet que le mariage est un accès à la vie éternelle, il y a une femme capable de sauver Marie. Il est dans la Bible. Il y a un mari qui a sauvé madame. Je vais mettre le plus clair pour vous. Il y a une femme qui a baï mari la vie éternelle. Même là, elle ne connaît pas l'évangile du tout. Oui, papa, il y a une religion qui a prêché la même. Marie a kabay madame ni la vie éternelle. Et si on était ensemble, c'est la mort qui sépare yo. Donc, si moun yo offert, peut-être, en pile fois, on va comprendre l'attitude yo. Foye ya, ka permet si moun yo rete sain. Ça veut dire, foyer à Marie et Madame qui permet de joindre la vie éternelle. Non, l'autre niveau là, moi-même. Non, l'autre dimension. Maintenant, dimension, garder. Et si Timoun a la drogue, et si il gagne de ménage, ça n'est pas religion. Combien de ménages vous avez gagné vous-même? Combien de nègres vous avez gagné? Combien de nègres vous passez? Combien de nègres? Combien de femmes vous passez déjà? Religion qui a mis le mouvement, ça va occuper. Et tout autant d'envie, n'a pas ouvert les yeux. Tout dernièrement, combien de mes pasteurs m'ont qui Chili? Et puis, n'a pas goûté avec elle pour sortir dans la religion. Bon. Monsieur, ouais, sorti dans la religion, il a perdu avantage. Il est difficile pour le sortir dans la religion, donc. Là, il parle et contre l'évangile de 13-8 TV à un groupe de monde, Haïti, qui croit dans l'évangile. Ils ont groupé ensemble, ils croient. Et moun sa yo chasse pasteur même tellement yo croyé dans édition Ebwe 13-8 TV. On a dit pasteur pas aucun problème avec ça. Ou est sa religion, un problème religion, tandis que moi si me senti pas clair avec un bien-aimé frère qui me connaît, m'a relé le téléphone. M'a besoin à parler dans groupe. Religion en problème net. Religion sans problème. Bon. Oui. La Bible permet que madame non capable sauver Maria, ben Maria la vie éternelle. La religion croit dans le salut personnel. Édition Ebwe 13-8 TV inspiré selon la Bible. Quoi dans le salut collectif à tout le monde dans le plan de Dieu qui pour sauver donc son salut collectif et Dieu le Seigneur Jésus-Christ c'est lui le salut mais cependant travail ça m'a fait à travers le monde yon connecté l'autre tout autant on vit nous éclair à travers la Bible c'est salut ma baille. Si on a baillé l'autre salut, nous devons même madame qui a baillé au salut éternel. Ben, ils sont pas habitués à tendre.
On aura l'autre texte pour ça. Ça va bon. Mettons un petit genre en confusion. On va nous rentrer comment la polygamie rentre-t-elle dans notre société. On nous regarde dans 1 Pierre chapitre 3. Comment madame n'est capable de bailler Marie à salut. Il n'y a pas qu'on bon Dieu même. Il n'y a pas qu'on soit athée Marie à yé, mais à cause de madame. Lisons rapide. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Bon critère tout oui pour bailler Marie ou la vie éternelle là. Et pas qu'on soit balil là non. Mes critères là. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Avec eux, même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans la parole. Alors la religion, elle n'est pas une option pour le dire. Elle n'est pas une option, son lot, on lot. Son l'autre cas, on l'autre travail lié. Vous avez lecture avec elle, mais expliquez l'enseigner. Il n'y a pas d'onction pour ça. Qu'il soit gagné sans la parole. Ou avec Maria. Et puis on connaît la parole. Et Maria dit lui-même, il va reconnaître ça que lui la parole. Il n'y a pas d'enseignement la Bible, dit tout même. Pour lui, même, on te met Dieu et Bible. Mais ou même, ou quoi? La Bible dit, la gagner, la recevoir la vie éternelle sans la parole. Il y a besoin de nous assembler. Un goût ma mari ou la l'assembler avec vous. Verset 2. Qu'ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leur femme. Maintenant, pour la vie éternelle, la femme, ça, doit être une femme distinguée. Il n'est pas parmi la foule. Il doit être une femme distinguée. Bon, je vais prendre le souli, mais je vais cause de parler. Verset 3, verset 2. En voyant votre conduite pure et respectueuse, les mariés ont gardé conduit tout. La suivent. Conduit tout. C'est une conduite qui est pure, une conduite qui est respectueuse. Maintenant, la Bible dit, c'est pas conduite n'ayez, il dit n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Si cap fait belle tête, c'est normal, oui, on croit dans belle tête. Prends soin corps hygiène, on croit dans hygiène, l'homme monde très hygiénique. On va pas vivre la corps. Non, bon, les pour baigner comme madame va baigner. Non, bon, mettez belle chemise de nuit sous, etc. Oui, mais prends son corps. Prends son corps. Pas la gué corps, nous, mesdames. Prends son corps, la caillou. Pas oublier ou à vivre, non seulement pour Dieu, ou à vivre pour mari ou tout. La Bible dit ça. Maintenant, c'est pas pour parler ce qui est extérieur. Ça veut dire dehors, tel que cheveux tressés,
Ça, c'est extérieur. Cheveux tressés. Voyons. Ornement d'or. Ça, c'est l'extérieur. Manteau élégant. Donc, il est bon pour habiller ou mettre belle. Fait. Mais c'est de l'extérieur. Mais ce n'est pas ça qui a sauvé mon nom. Mais la parure cachée du cœur. Mais ça a sauvé Maria. La parure personnelle inaltérable d'un esprit doux. D'un esprit doux, mais caractéristique pour sauver Maria. Et tranquille. M'a même pas lui-même. Voilà qui est de grand prix devant Dieu. Les femmes gagnent caractéristiques spirituelles, ça. La Bible dit. Ou capable de mener Marie à la vie éternelle. Et la Bible, si vous continuez à lire tout le reste, il y a un modèle, une femme. C'était Sarah. La Bible dit, autrefois, les sept femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. N'a pas parlé pour les femmes qui connaissent la parole. On va parler pour toutes les femmes. Femme la religion, non, m'a parlé femme religion. M'a parlé de femmes qui croient dans la parole. Qui va démentir la parole. Qui croient. Telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Ainsi de suite. Et la Bible dit, dans le verset 7, vous de même Marie, l'orphine subconduite ça. Et la Bible exhorte Marie, vivez chacun avec votre femme, en reconnaissant pour les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc, c'est pour montrer l'éclair. Donc, ça veut dire comportement une femme dans le foyer capable de permettre Marie de recevoir la vie éternelle. Connexion par là permet Marie ou jouer une même connexion. Qui plus grande richesse qu'on femme t'es capable de jouer? Ou une capacité spirituelle pour sauver Marie? Eh bien, de même que pour les hommes, dans 1 Corinthiens chapitre 7, dans le verset 16, la Bible dit, Marie, est-ce qu'on pas jamais pensé que ou qu'a sauvé madame? Et la Bible dit, si madame n'est pas incroyante,
Ça veut dire pas qu'on est bon Dieu. Li n'importe qui avant te connaître la parole ou te gétan fon contrat avec elle avant te connaître la parole ou dans vinn connaître la parole yon connaît l'autre la pas connaît. Eh bien, le fait que ou connaît la parole ou même mari pas divorcer avec elle parce qu'elle pas connaît la parole. La Bible dit que à cause Maria femme sanctifiée par son mari. Donc c'est du bel héritage que Dieu quitté pour nous qui croit qu'a continuer espérer. Maintenant, on nous rentrer dans le sujet ça, nous quitter parce qu'il est déjà sur les ondes. Maintenant, on nous rentrer exactement. On a commencé parce que le sujet mariage là, leur parler de mariage, c'est de Genèse jusqu'au Apocalypse. La Bible même parle de mariage, c'est ça qui est moteur de la Bible, mariage. Tant au point de vue social, au point de vue spirituel. La Bible, point central, non seulement c'est le Seigneur Jésus-Christ crucifié, mais cependant, dialogue sur la Bible, c'est sur le mariage. Dans tous les points, c'est contralié. Mariage, son contrat, son engagement lié. Non. On nous retourne dans l'Ancien Testament pour nous connaître comment vin gagner plusieurs nègres. Il y a une femme qui prend plusieurs nègres. Et comment yon nèg arrivé prend plusieurs femmes. Li sorti exactement dans la Bible. La Bible parlait de la polygamie. Et la polygamie, ça aurait les plusieurs nègres ou bien plusieurs femmes, non? Li sorti dans la Bible dans la lignée de Caïn. C'est pas Adam qui vini avec doctrine plusieurs femmes, non. On n'y a qu'à remarquer, automatiquement, on dit que plusieurs femmes, non, yon nèg qui polygame. Donc, côté héritier mouvement, côté le joint plusieurs femmes, côté le joint messa. Alors, bon, dis-nous très bien. Israël, c'est un peuple qui était moins connaît bon Dieu. Ouais, de nos jours, c'est là qui croit dans la parole de Dieu, fait plus expérience avec bon Dieu qu'Israël. Et moi, je dis ça. Moi, je dis selon la Bible. Israël était moins connaît bon Dieu. Il était moins peu spirituel, il était plus charnel. Il y a un pile de nous qui est plus spirituel que le peuple Israël. À travers le monde là, qui a des oreilles tendues, Israël était basé uniquement sur la charnalité. Peuple bon Dieu. Mais non! La polygamie li joue une naissance li dans la lignée de Caïn. La Bible révélée dans la génération d'Adam et Ève, Adam fait deux petits. Il fait Abel et Caïn. Et la Bible pral
montrer deux petits moun sa yo dans le plan de Dieu, gen youn qui selon le plan de Dieu pour observer les ordonnances de Dieu, et gen youn selon le plan de Dieu pour pas observer le plan de Dieu. Tout ça Dieu dit pour le virer le tête en bas. Ça veut dire Caïn prend l'ennemi des ordonnances de Dieu. Caïn. Et c'est de Caïn, dans la lignée de Caïn, pour aller gagner la polygamie, existe plusieurs femmes. Nan. Et l'on parlait de plusieurs femmes, où est la chair, vie, plaisir. Ça veut dire, c'est pas pour rien, je dis, hein. Sous pas sorti dans la lignée de Seth, ou bien de la Caïn, Abel mourit, ça remplace Abel notamment, c'est Seth. Ou pas sorti dans la lignée de Seth. Donc, automatiquement, ou a, le sous sorti dans la lignée de Caïn, dans la lignée de Caïn, ou gagner pour sortir comme un rebelle à la parole de Dieu. Pas d'accord réalité. Amen. Maintenant, la Bible montre que Caïn existait, Abel mourit, donc s'est remplacé Abel. Maintenant, la Bible montre dans Genèse chapitre 4, le verset 17, malgré Caïn pas pratiquer plusieurs femmes, mais le fait que Caïn c'est un désobéissant à la parole de Dieu, l'inné pour le désobéir. Li né avec un cœur qui endurci, qui pape croit. Gen moun nou met prêcher l'évangile. Pa ka fan rien pour lui. Il pape croit. L'a croit pour quelques mois, quelques années. Après ça, li pape continuer croire vérité a. Li gon cœur qui sorti de la famille de Caïn. Donc, li pape jamais croit. L'a fait semblant croit. L'a crié, bon, li ka montre la bas au ciel là. Mais quand t'as croyé, elle t'a croyé. La Bible dit, Caïn connut sa femme et li enceinte et l'a couché au petit turil Enoch. Et la Bible dit que Caïn fait nos petites sapotées au nom ville, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Metushael engendra les mecs dans la même ligne de Caïn, les mecs, quelques générations après, et puis, lié animé de la chair, la chanalité, au lieu, parce que dans la famille sortie, il n'y a pas qu'à suivre ça. Bon, la Bible dit les mecs prient deux femmes. Genèse 4, 19, c'est là la polygamie sortie. Les mecs disent lui-même, il n'y a pas dans la question. Prends une femme, non, c'est deux pour le gars. Pas oublier. Deux femmes, ça, c'est deux sœurs. Les mecs,
C'est comme ça, ça te yé. Donc, la Bible pas de problème pour te prendre famille. Donc, à l'époque, c'est comme ça, ça te yé. Maintenant, les mecs pris deux femmes. Yon relé Ada, deuxième nan relé Sia. Maintenant, à partir de Trassa, li affecté plusieurs générations. Dans l'Ancien Testament, et doctrine ça a grandi. Li prend même les rentrer même dans des hommes de Dieu que Dieu relaie dans le ministère dans l'Ancien Testament. La Bible a montré que en pile prophète dans l'Ancien Testament qui est polygame. La Bible montre Gédéon, c'est un polygame, plusieurs femmes. La Bible montre Elkana, polygame, plusieurs femmes. Saül, polygame, plusieurs femmes. David, polygame, plusieurs femmes. Salomon, polygame, plusieurs femmes. Roboram, plusieurs femmes, polygame. Et ainsi de suite. Mais les dieux plantent en semence, ils toujours gagnent des exceptions. Toujours qu'on faiblesse. Dans l'Ancien Testament, ou qu'à compter combien nègres qui pas polygame sous Adam, jamais. Ils campaient sous la promesse de Dieu. L'opre Isaac, polygame, non, une seule femme. Isaac. Mais quand t'as Jacob, plusieurs femmes, puis femme monsieur. Job, une femme. Il a appliqué la mono. Il a appliqué une seule femme, non? Il a appliqué monogamie. Il aurait été selon Dieu, pas jamais perdu. Semence qu'elle voulait faire passer. Abraham, polygame, plusieurs femmes. Mais cependant, c'est pour eux, doctrine, les mecs là, le fait qu'elle sortit dans la lignée de Caïn, lui affectait même des hommes de Dieu. La Bible dit ça. Gon moment crivé dans Matthieu chapitre 24, la Bible dit si juste yo pas prédestiné à la vie éternelle, même les élus te ka tombé tellement moment noir. Ça veut dire ça m'a dit am konnen face à des hommes de Dieu, m'pa là pour m'acculer yo, moi konnen pas facile pour homme de Dieu. Dans le monde, dans le moment, ça, rete en seule femme. C'est pas facile pour aucun nègre. Un nègre qui a démenti, il vient démenti là, même. À moins qu'on ait 85 ans. 90 ans, pas aussi facile. Mais, la Bible dit, pas grand rien qui est possible. À Dieu, sous croix dans lui. Il est tellement pas impossible
Isaac, Dieu te permet de gagner yon femme. Adam, yon femme. Job. Mais majorité des hommes de Dieu qui fait de grands exploits, des polygames qui violaient l'ordre divin. Ça veut dire qu'on est que il y a des hommes que virus l'a frappé nous, mais on connaît Dieu pas de jambes croit qu'il pas t'a frappé nous. Il connaît, mais le besoin arriver dans une dimension pour reconnaître qu'autoyer à c'est pas ça Dieu t'a demandé pour te faire. Ça seulement. Et puis pour prendre une autre direction, direction selon la volonté absolue de Dieu. Il y a la volonté permissive de Dieu. Dieu te permet ça. Dieu connaît ça qui arrive. Au contraire, Dieu connaît. Mais Dieu a besoin que, ou même qui se sont des sauvés, des élus, pour gagner sa relais, y a un cœur qui est sincère pour dire ah non, côté Mia. Pas bon, c'est pas plan ça, Dieu te gagne pour moi. Aussi facile. Aussi facile. Donc, l'histoire révélait que les méchés, tout, t'es des polygames, y'a t'es gagné plusieurs femmes. La loi te demandait, sous gagné plusieurs femmes, faut qu'à occuper femmes, yo. Ça veut dire, à l'époque, des hommes, que Dieu te permette, ça selon la volonté permissive, yo te gen capacité économique si yo te gagne 100 femmes pour te prendre soin 100 femmes dans même gens. Mais m'pa ka enseigner pays d'Haïti. Enseigner peuple ça à nan deux femmes. Non. On quitte, par exemple, en dehors de la Bible sous la grâce maintenant, qui mande yon seul. Mais le pays d'Haïti, non, misère atroce, misère noire, où yon on dit, n'est-ce la pape travail. Il y a deux femmes, trois femmes, la vive la chair matin, midi, soir. Il fait un 100 dollars et puis là, investit dans le bal, dans le plaisir et puis misérie. Misère noire dans le pays. Et nous jouons des leaders tête en bas qui encourageaient un peuple vivre dans la polygamie. Même aujourd'hui, des pasteurs à encourager yon peuple vivre dans la polygamie. Non. Non. C'est pas parce que nous pas connaît li existe la Bible te trace un modèle qui en pile moun a suivre. Mais pas oublier pour Dieu sauver ou vinn comprendre le salut graduellement. C'est au jour le jour, les bons boosters pour comprendre qui ça dit. Mon cap avancé, cap grandi dans la sanctification, dans la volonté de Dieu, qu'on dimension rivée avec bon Dieu, et bagaille. Mais je campé en face, il me dit non, ça va bon. C'est pas possible. Messieurs, pasteurs, nous yo,
encore à vivre dans la polygamie. Non, ce n'est pas logique. À la venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit non. Jésus-Christ dit non. Et jusqu'à présent, messieurs, frères, nous, pasteurs, nous, n'ont pas de capacité pour prêcher sur le mariage, pour construire foyer, yo, parce qu'ils n'ont pas une capacité pour ça. Parce que yo a vécu dans la polygamie. Et je dis, c'est bien pile l'évangile qui prêchait, mon pas fait cas de lit. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ne prennent pas au sérieux. Ils ne prennent pas au sérieux, qui ne jamais repenti. Et ça, ils ont continué au jour le jour, année après année, et ont même rentré question polygamie comme un business. Yo fait le devenu yo corruption à travers monde là. Comment on va l'expliquer pour enseigner yo moun qui pas connait bon Dieu du tout? Pour dire t'es gon époque t'es gon la polygamie, mais époque ça a mandé la monogamie. Parce qu'on pas un modèle, ou pas yon Isaac, ou pas yon Adam, ou pas yon Job, des hommes d'accord pour retourner à la parole. Yo dit à des hommes de Dieu, yo partagé ce qu'a fait à travers le monde, l'immoralité à travers le monde, parce que yo pas une décision. Et puis, sous sorti dans la lignée de Caïn, ou pas assez de force pour sortir. Et Negio, Kounia prend mouvement comme un bagage professionnel. Il a dans vie, caillou pour payer, machine pour payer, ladrier. Donc, il a une compétence pour enseigner, pour encourager jeunes, frères, l'église, yo vient tourner des hôtels. L'église, assemblée, vous venez tourner des. Nous connaissons. Nous venons pas des assemblées, encore pas des hommes. N'entend ça, qui pour encourager personne. Nous. Mais vous connaissez. M'a quitté spécialement. Zami kap koute nyo. Yon pile de nou pa kapab kosyone la polygamie. Un, nou pa sou la loi ankor. Histoire la loi li pa la nou sou la grâce. À la venue de Jésus-Christ notre sauveur, li mande nou pour nous sortir de la polygamie, pour nous rentrer dans la monogamie. Je pense que j'ai une question pour moi. Tel que, il y a un monde qui polygame, qui t'a remé, suivre l'évangile ça. Qui ça pour le faire? Mais pas oublier. Numéro ça sur l'écran. 862 419 6050, pas oublier quitter message. N'a bien pour nous répondre à la question ça. Yo moun qui polygame, mais le temps de l'évangile est 13-8 TV, qui ça pour le faire? Est-ce qu'il doit quitter yo? Ou bien il doit kembe yo? À suivre, n'a souhaité tout une bonne nuit. Yo, bonne semaine. Suivez enseignement. L'édition Ebou 13-8 TV. Chaque mercredi, la prière pour le monde. Chaque jeudi, l'enseignement biblique. Chaque
Dimanche, 7h30, l'enseignement sur la parole de Dieu. Merci parce que vous t'attendez, vous t'écoutez. Passe une très très bonne nuit. Espérant que les seigneurs autour de vous, à l'intérieur de vous, que les seigneurs vous bénissent. Bonne soirée.